Bon, un petit peu de retour à la même place qu'hier. Aujourd'hui, on part à la piscine. Faut que je m'entraîne. J'ai pas fait grand chose hier. On y va. On est de retour au terre-terre, à la piscine, pour nager et s'entraîner. Oh my god, man. Yo, Pierre, you wanna come out here? Voilà, j'ai fini la séance de piscine. C'est vraiment que je trouve un équilibre entre tout ce que je fais pour réussir à être le plus productif possible. Et pour après plusieurs choses en même temps, c'est pas la meilleure façon de réussir à atteindre quoi que ce soit. Cette année a été une année un petit peu dingue pour moi. Je veux dire, c'est la première année où je travaille autant, constamment. Je veux dire, je m'accorde que vraiment très peu de temps libre comparé à les gens d'habitude. Je sais même pas comment raconter cette histoire. Je pense que la seule chose que je peux dire, c'est si t'as un rêve, une ambition, un projet, fais-le. Le travail continue. L'aventure continue. En ce moment, surtout, le truc, c'est que vu que je suis en train de travailler pour développer mon site web et mon business, ma marque, c'est une marque de chaussettes waterproof, ça me prend pas mal de temps. Donc vraiment, il faut que je développe ça, j'apprends à mieux gérer Photoshop et Lightroom, parce que je maîtrisais un tout petit peu et du coup, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, il faut que j'aurai pas mal de contenu, que je trouve comment faire les choses X, Y et Z. Donc ça me prend pas mal de choses, mais mercredi, on partira au Danemark et du coup, dans à peu près 3 vidéos, vous devriez avoir du contenu un peu plus drôle peut-être. Mais voilà, c'est le travail que j'ai besoin de faire pour réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés. J'espère que toi aussi tu continues à travailler, que faut pas avoir peur, ça va le faire, tu peux le faire, continue à croire en toi. Je vais te montrer que même si toi tu crois pas en toi, que tu vois pas comment tu peux y arriver, tu vas voir que moi, en commençant de tout en bas, j'ai réussi. Ou bien que je réussis pas et dans ce cas tu verras les erreurs à ne pas refaire. Mais tout ça, c'est un apprentissage pour toi. J'espère que tu sais en tirer le meilleur. Courage à toi. Boum ! Wouh ! Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog. C'est un casque de vélo que j'ai vendu sur eBay à 20 euros. Je l'ai eu gratuitement avec Deliveroo. En fait, vu qu'il me sert à rien, je vais aller le vendre.